Bonjour, je suis Patricia, je suis animatrice de cartonnage et aujourd'hui je vais vous proposer la réalisation d'une boîte livre. Pour la réalisation de votre boîte, vous aurez besoin de carton gris épaisseur 2,5, de cartonnettes d'épaisseur 0,5, d'un papier fantasy, de papier simili, d'un peu de relon. Après, en matériel, vous aurez besoin de votre colle vinylique, de craft gommé, de colle en gel, votre pinceau, votre rouleau, un plioir, des ciseaux, un gabarit d'angle et un gabarit du carton de la même épaisseur. J'ai déjà assemblé ma boîte, les petits côtés et les grands côtés contre le fond, je l'ai crafté. Et maintenant, nous allons procéder à son habillage externe sur trois côtés. Je vais buller mes trois côtés, les deux côtés latéraux et le côté du devant. Le côté arrière n'étant pas habillé, se trouvant prise dans le couvercle livre. Voilà, j'ai fini de buller les trois côtés de ma boîte. Je vais donc pouvoir les habiller avec mon papier fantaisie. Pour ce faire, j'ai découpé une bande de papier correspondant à la longueur de mes trois côtés plus une marge de 1 cm et en hauteur, la hauteur de ma boîte plus une marge de 1,5 cm en bas et en haut. Donc je vais habiller ma boîte. Voilà, j'ai habillé les côtés de ma boîte, je vais donc procéder au collage des rembords supérieurs et inférieurs de ma boîte. Voilà, nous avons habillé nos trois côtés latéraux et devant. Ce qu'il faut que l'on fasse maintenant, c'est habiller le champ supérieur du carton arrière. Pour cela, donc, nous découpons une petite bande de papier fantaisie égale à la largeur interne de la boîte sur 3 cm que l'on va coller à cheval. Voilà, l'habillage externe de la boîte est terminé. Nous allons pouvoir procéder à l'habillage interne de celle-ci. Voilà, j'ai terminé l'habillage intérieur de ma boîte. Nous allons pouvoir procéder à la confection du couvercle lit.